Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal. Et donc suite à la forte hausse qu'ont connue les indices européens et le CAC 40 notamment en fin de semaine dernière, eh bien on est sur une note de continuité, puisqu'après avoir atteint ici l'objectif qui était lié à une extension de Fibonacci sur une précédente phase de consolidation, eh bien le CAC 40 est en train de se stabiliser. Du point de vue des indicateurs techniques, on matérialise cette stabilisation avec notamment un MACD qui est en train de se retourner à la baisse et un RSI qui stationne ici dans sa zone de surachat. Alors, par rapport à la configuration actuelle, il y aura deux choses à surveiller aujourd'hui. C'est un éventuel retour ici sur la zone des 5532. Cette zone majeure qui a été cassée a déjà été testée une fois en tant que support, mais en cas ici de retour ici un mouvement de consolidation, sachant que la moyenne mobile 20 exponentielle est en train de converger vers cette zone d'évolution. Si le CAC 40 se met à consolider, c'est vers cette zone qu'il faudra surveiller d'éventuelles cassures qui pourraient nous donner un pré-signal de retournement de la dynamique. Et puis à la hausse, eh bien, en cas de cassure ici de cette zone des 5586 points, eh bien, le prochain objectif sera un retour sur la zone horizontale ici des 5651 points. Voilà ce que l'on peut dire donc sur la configuration actuelle, sachant qu'on est vraiment ici sur une note de continuité haussière par rapport au mouvement. Et donc l'extension de Fibonacci qui a été atteinte, eh bien c'est tout simplement l'extension liée à la phase de consolidation que nous avons connue à la fin du mois de mars. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique et ce point matinal du CAC 40. D'un point de vue macroéconomique, il faudra attendre 16 heures et les chiffres de vente de logements neufs aux États-Unis pour avoir des chiffres macroéconomiques qui seraient susceptibles de donner de la volatilité sur les marchés. Voilà, je vous souhaite une bonne séance et on se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.